Il y avait un secret que je ne connaissais pas. Me voilà à la fin de ma vie. Et tout imparfaite que je suis, je me vois perdue par état dans sa divine majesté, qui depuis plusieurs années me tient avec elle dans une union dont je ne puis sortir un seul moment et que je ne puis expliquer. L'esprit qui m'a si amoureusement conduite a toujours tendu à une même fin. Aspirer à la parfaite possession de l'Esprit de Jésus-Christ. Née à Tours, en France, Marie de l'Incarnation est cette femme du XVIIe siècle qui a rencontré Dieu dans sa vie. Terminée en août 1654, l'autobiographie spirituelle de Marie de l'Incarnation jette une lumière particulière sur le cheminement intérieur de la petite Marie Guyard, devenue Madame Claude Martin, et enfin Mère Marie de l'Incarnation, religieuse ursuline à Tours, puis à Québec. Sa vie sera une aventure qui se joue entre le désir de Dieu et la réponse de Marie, qui accueille Dieu, un peu comme l'épouse accueille l'époux. Des événements marquants jalonneront la vie de Mère Marie de l'Incarnation. Mais avant tout, il faut toujours avoir présent à l'esprit, en regardant cette existence, à la fois le jeu de l'amour divin et l'espace intérieur que Marie lui a constamment offert. Le désir chez Marie de l'Incarnation n'est pas le désir de quelque chose. Il est celui de la rencontre avec Dieu. J'avais souvent dans ma pensée ce qui m'était arrivé dans mon enfance. Je n'avais qu'environ 7 ans, une nuit, en mon sommeil, il me sembla que j'étais dans la cour d'une école champêtre avec quelqu'une de mes compagnes. Ayant les yeux levés vers le ciel, je le vis ouvert et notre Seigneur Jésus-Christ en forme humaine en sortir et qui par l'air venait à moi, qui, le voyant, m'écriait à ma compagne, « Ah, voilà notre Seigneur, c'est à moi qu'il vient. » Et il me semblait qu'il m'avait choisi plutôt qu'elle, qui était pourtant bonne fille. Mais il y avait un secret que je ne connaissais pas. Cette suradorable majesté s'approchant de moi, mon cœur se sentit tout embrasé de son amour. Je commençais à étendre mes bras pour l'embrasser. Alors, lui, le plus beau des enfants des hommes, avec un visage plein d'une douceur et d'un attrait indicible, m'embrassant, me dit « Voulez-vous être à moi ?» Je lui répondis « Oui ». Ce souvenir m'attirait au désir d'être toute à lui. Et voilà amorcé l'appel de l'amour divin. Et voilà ouvert l'espace intérieur de Marie par un oui qui façonnera sa vie. Déjà, elle contemple la beauté du Verbe. Son âme est emportée par le désir d'anticiper une grâce qui se laisse pressentir. Dans la vie de cet enfant, le désir du bien, un goût de la prière, l'amour de la parole de Dieu prennent déjà racine. Marie, c'est le chemin du mariage qui s'offre. À 17 ans, elle épouse Claude Martin, maître ouvrier en soie. Marie épouse. De leur union naîtra un fils. À son baptême, il recevra le même nom que son père, Claude. Marie, mère. Mon très cher fils,
Je crois et j'ai toujours cru que je n'avais été engagée dans le mariage qu'afin de servir au dessein que Dieu avait de vous mettre au monde. Votre père était si bon qu'il me permettait toutes mes dévotions, auxquelles même il avait de la complaisance, parce qu'il était homme de bien et craignant Dieu. La mort prématurée de son époux Claude viendra brusquement changer le cours de la vie de Marie. Les affaires à régler lui causant de grandes difficultés, elle conserve toutefois la certitude que Dieu la soutient et lui donne la force et le courage nécessaires pour traverser cette épreuve. Veuve à 19 ans, avec un fils sous sa responsabilité, Marie aura-t-elle le désir de vivre un nouveau lien ? Disponible à l'attrait intérieur que le Seigneur lui donne, elle se réjouit plutôt de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur. Au cœur de l'épreuve, Marie entre davantage dans la mouvance de l'esprit. Elle demeure à l'écoute de la parole et reçoit de grandes lumières qui nourrissent sa prière et sa relation à Dieu. En 1620, le 24e de mars. Un matin que j'allais vaquer à mes affaires, en cheminant, je fus arrêtée subitement, intérieurement et extérieurement. En un moment, je me vis toute plongée en du sang et mon esprit convaincu que ce sang était le sang du Fils de Dieu, de l'effusion duquel j'étais coupable par tous les péchés qui m'étaient représentés, et que ce sang précieux avait été répandu pour mon salut. Si la bonté de Dieu ne m'eût soutenu, je crois que je fusse morte de frayeur, tant la vue du péché, pour petit qu'il puisse être, est horrible et épouvantable. En ce même moment, mon cœur se sentit ravi à soi-même, et changé en l'amour de celui qui lui avait fait cet insigne miséricorde. Je m'en revins à notre logis changé, mais si puissamment changé que je ne me connaissais plus moi-même. Marie, dans son être renouvelé, se laisse instruire. Elle goûte cette présence nouvelle et son cœur parle sans cesse à Dieu. Le désir a creusé en elle un espace pour Dieu, un espace qui la rend capable de se tourner vers lui, d'attendre tout de lui. Son attrait intérieur pour notre Seigneur l'amène peu à peu à l'oubli d'elle-même, de ses intérêts et de ceux de son fils, étant certaine que Dieu prendra soin d'elle et de Claude. L'impression profonde de la présence de Jésus-Christ accompagne Marie partout. Elle n'en est pas distraite, malgré les occupations liées à la direction du commerce de son beau-frère à Tours, qu'elle gère avec un sens des affaires hors du commun. L'esprit, toujours à l'œuvre, entraîne Marie dans un attrait intérieur grandissant vers Jésus-Christ. C'est l'amour qui vous a réduit en cet état. Si vous n'étiez pas amour, vous n'eussiez pas souffert de la sorte. Tu m'appelles ton grand Dieu, ton maître, ton Seigneur, et tu dis bien, car je le suis. Mais aussi, je suis charité. L'amour est mon nom, et c'est ainsi que je veux que désormais tu m'appelles. L'assurance fondamentale de Marie de l'Incarnation est que Dieu est l'amour et qu'il ne demande pour réponse que l'amour. Marie Guyard, qui a reçu la grâce de la présence de notre Seigneur, parle continuellement avec lui. Toutefois, il ne s'agit pas de vision chez elle, mais de sentiment de présence. Dieu, voulant se communiquer toujours plus à elle, invente de nouvelles approches. Elle entre dans l'intimité de son grand Dieu et accepte de marcher sur le chemin d'une absolue pureté, c'est-à-dire d'un total détachement d'elle-même et de ses seuls goûts personnels.
Marie sent qu'on l'entraîne plus loin sur le chemin où elle est engagée, mais sans savoir où l'on veut la mener. Elle s'abandonne. Un jour, Dieu me fit voir qu'il est comme une grande mer, laquelle ne peut rien souffrir d'impur. Marie entre dans une nouvelle phase de sa vie de prière. L'élan de l'esprit l'emporte dans une tendance constante à Dieu. Pour décrire sa contemplation, Marie de l'Incarnation propose l'image du souffle calme et régulier d'une personne endormie. Je suis sans cesse dans ce divin commerce, d'une façon et manière si délicate, simple et intense, qu'elle ne peut porter l'expression. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas un respire. C'est un air si doux dans le centre de l'âme où est la demeure de Dieu, que je ne puis trouver de terme pour m'exprimer. L'esprit me fournit ce que j'ai à dire. Dans les conseils qu'elle a donnés aux autres, on perçoit l'écho de son expérience personnelle. La prière brève, fréquemment répétée au cours des journées, est un chemin vers la prière contemplative continue. Elle invite également à faire des invocations, convaincue que cette pratique est la vie de l'âme. Dans un état d'ouverture absolue à l'esprit, Marie se sent depuis longtemps déjà appelée à la vie religieuse. Cependant, comme son jeune fils Claude requiert encore sa présence maternelle, elle accepte d'attendre l'heure de Dieu. Malgré les tracas du commerce, les austérités et les peines intérieures, son extérieur demeure joyeux, sa conversation agréable et son action empreinte de douceur envers le prochain. Une nouvelle étape s'ouvre pour Marie. Elle n'a qu'un désir, posséder celui qu'elle aime. Elle recherche le bien-aimé et le trouve dans toutes les créatures et dans les actions les plus humbles. Par gratuité, la Trinité se révèle à elle. Dans son espace intérieur, toujours largement offert au passage divin, seront déposées bientôt des grâces et lumières extraordinaires. Cette grande lumière me fit entrer en un nouvel état intérieur. Je fus un grand espace de temps que je ne pouvais sortir de l'application aux trois divines personnes. Marie se voit établie en la Trinité dans un abîme d'amour. Elle est insatiable d'aimer. Posséder l'esprit de Jésus-Christ, telle est la tendance continuelle de son parcours du cœur. Elle désire le mariage spirituel. Que voulez-vous me faire, mon cher amour? Que voulez-vous me faire? L'amour divin, semblable à un fleuve puissant, ne saurait arrêter sa course dans la vie de Marie, alors âgée de 25 ans. Tout au long de son cheminement spirituel, Dieu l'a toujours préparée de façon subtile à une nouvelle grâce, par un avant-goût qui, dans sa paix, ressentait le paradis. Un matin, étant en oraison, Dieu absorba mon esprit en lui par un attrait extraordinairement puissant. Étant abîmé en la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la suradorable personne du Verbe s'empara de mon âme et, l'embrassant avec un amour inexplicable, l'unit à soi et la prit pour son épouse. Lorsque je dis qu'il l'embrasse, ce ne fut pas à la façon des embrassements humains. Il n'y a rien de ce qui peut tomber sous le sens qui approche de cette divine opération. À la suite de cette grâce,
où Marie n'a plus vraiment de désir intérieur. Elle vit de son bien-aimé. Mais loin de modifier le rythme de ses actions et de sa prière, Marie, au contraire, se met tout entière au service des autres, désireuse de gagner chaque personne au Verbe, son époux. L'Esprit-Saint l'amène où il veut, sans qu'elle puisse lui résister. À la suite de ces grandes grâces, le désir de Marie Guyard pour la vie religieuse demeure véhément. Cette vocation me suivait partout. Dès que j'eus les premières et fortes impressions de quitter le monde, ce fut pour être ursuline, car elles étaient instituées pour aider les âmes, chose à laquelle j'avais de puissantes inclinations. J'attendais ce que Dieu allait faire. Marie peut enfin répondre à son désir de la vie religieuse. Dès les premiers mois de son noviciat aux Ursulines de Tours, elle pressent que Dieu la dispose de nouveau à quelque chose de grand. Un jour, à l'oraison du soir, j'étais à genoux en ma place du cœur. Un soudain attrait ravit mon âme. Alors, les trois personnes de la très sainte Trinité se manifestèrent de nouveau, avec l'impression des paroles du suradorable Verbe incarné. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons une demeure chez lui. Le Père éternel était mon Père, le Verbe suradorable mon époux, et le Saint-Esprit, celui qui, par son opération, agissait en mon âme. La Trinité s'approprie l'espace intérieur que Marie de l'Incarnation a toujours gardé ouvert à Dieu. L'Écriture nourrit sa prière. Par sa parole, Dieu lui communique quelque chose de sa pensée, un lieu où sa vie trouve nourriture et renouveau. Quelque temps après sa prise d'habit religieux, Marie entre toutefois dans une période d'épreuves intérieures. Elle remet en question les grandes grâces reçues auparavant. Elle accepte cette souffrance, qu'elle accueille comme venant de Dieu, même s'il lui semble lointain. Il y avait un secret que je ne connaissais pas. En écho à son premier songe à l'âge de 7 ans, Marie fait un deuxième songe qui comporte, même si de façon différente, une interpellation. Il s'agit cette fois d'un appel à la vie apostolique. Maintenant âgée de 35 ans, Marie de l'Incarnation a toujours senti que Dieu l'avait placée chez les Ursulines de Tours comme en un lieu de refuge, jusqu'à ce qu'il dispose d'elle selon son dessein. Enfin, elle identifie son désir. Mon corps était dans notre monastère, mais mon esprit ne pouvait être enfermé. J'étais comme dans l'attente. C'était une émanation de l'esprit apostolique qui n'était autre que l'esprit de Jésus-Christ. Je faisais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. Je les présentais au Père, et les lui demandaient toutes pour Jésus-Christ, auquel de droit elles appartenaient. C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Ô mon grand Dieu, vous pouvez tout, et moi je ne puis rien. S'il vous plaît de m'aider, me voilà prête. Envoyez-moi par tout le monde pour enseigner vos témoignages à ceux qui les ignorent. Je ne trouvais rien de plus grand que d'annoncer la parole de Dieu. À la fois entraînée par l'amour et poussée par lui à annoncer le nom de son grand Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, Marie traversera les mers. Dès l'embarquement à Dieppe, elle sent que l'amour divin
veut la conduire d'une nouvelle façon. Sillonner les eaux en cette saison printanière fut très périlleux et fort éprouvant. À l'intérieur d'elle, son âme ne veut rien d'autre que ce que l'esprit veut. À l'extérieur, au milieu des privations et des dangers de la traversée, Marie expérimente ce que c'est que de servir Dieu à ses dépens. La première chose que nous fîmes fut de baiser cette terre en laquelle nous étions venus, pour y consommer nos vies, pour le service de Dieu et de nos pauvres sauvages. L'installation de Fortune et les premiers travaux des religieuses sont autant de moments importants de l'itinéraire apostolique de Marie de l'Incarnation. Elle s'adapte de bon cœur aux dures réalités de ce pays où tout est à faire. Émerveillée de reconnaître le pays que le Seigneur lui avait montré, Marie se laissa renouveler dans la ferveur de sa vocation. Toutes ses expériences mystiques antérieures seront les assises de son souffle apostolique. Marie de l'Incarnation, bâtisseuse, éducatrice, femme de bons conseils. Elle expliquera abondamment cette passion pour le royaume dans son autobiographie qu'elle enverra à son fils à l'automne de 1654. Le grand désir de s'adapter à ce nouveau pays la pousse à l'étude des langues indiennes jusqu'à lui donner de lourds maux de tête. J'en traitais amoureusement avec notre Seigneur, lequel m'aida si bien qu'en peu de temps j'ai eu une très grande facilité, en sorte que mon occupation intérieure n'en était point ni empêchée ni interrompue. Mon étude était une oraison qui me rendait suave, cette langue qui ne m'était plus barbare. J'en suis assez en peu de temps pour pouvoir instruire nos chers néophytes en tout ce qui était requis en leur salut. J'aurais voulu faire sortir mon cœur par ma langue pour leur dire ce qu'ils sentent de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ, notre bon Maître. Sa paix, toujours intense et profonde, est enfouie dans une région éloignée d'elle-même. Au milieu des nombreuses affaires à régler, relativement à l'établissement du monastère, à l'union des Ursulines venues de différentes régions de France et à la consolidation du séminaire, Marie entre dans une étape marquée de croix, d'épreuves. Elle vit dans un état d'humiliation et d'anéantissement. Les personnes avec lesquelles j'avais eu le plus d'entretien avaient des tentations d'aversion contre moi, comme elles me l'ont déclaré ensuite. Je me voyais la plus digne de mépris qui fut au monde et ne pouvais me lasser d'admirer la bonté de mes sœurs de me souffrir. Parfois, un rayon de lumière illuminait mon âme et l'embrasait d'amour. Mais cela se passait bientôt et je passais d'un abîme de lumière et d'amour en un abîme d'obscurité et de ténèbres douloureuses. Durant l'hiver de 1650, un incendie dévore le monastère de Québec. Plus rien ne subsiste de cette construction érigée il y a 8 ans à peine. Devant ce désastre, Marie de l'Incarnation, avec une grande tranquillité, accepte l'épreuve. Sa crainte est plutôt que ses sœurs en souffrent. Mais d'un autre côté, elle voit dans cette visite de Dieu l'occasion de vivre un entier dépouillement. Ni peine, ni ingratitude ne traverse son âme, mais plutôt un sentiment d'union à l'esprit qui agissait en elle. Vous avez fait cela, mon chaste époux. Vous en soyez béni. Ah, que tout ce que vous avez fait est bien fait. Dès que Marie apprend que la volonté de Dieu est de se servir d'elle pour reconstruire le monastère, elle se met résolument à l'œuvre, tout en poursuivant son aventure intérieure. En tout cela,
elle ne peut dire autrement, sinon qu'elle est en Dieu, envahie par Dieu. Sa correspondance régulière, spécialement avec son fils Claude, fait voir combien son désir de donner à son divin époux vie pour vie s'actualise dans ses épreuves intérieures et ses autres tracas quotidiens. Par exemple, les persécutions quasi constantes des Iroquois et, plus tard, une longue maladie qui l'affectera. L'état dans lequel le Seigneur m'a conduite depuis que j'entrai pour la seconde fois en charge a été un état de victime continuelle qui, de différentes manières, me consume peu à peu par son Saint-Esprit. Il ne m'est pas possible d'exprimer la millième partie des divines impressions et opérations que mon divin époux a faites en mon âme. Au-delà des difficultés de toutes sortes, Mère Marie de l'Incarnation se révélera une cheville ouvrière primordiale pour cette nouvelle Église. Elle la verra avec joie s'édifier et s'épanouir peu à peu au long de ses 33 années au Canada. Soutenue par l'Esprit du Seigneur, envahie par une liberté intérieure, captivée par des liens d'amour, elle conseille les uns et les autres sur les voies de Dieu qui sont pour elle les seuls véritables biens. L'espace intérieur, embelli par un désir constant et par l'union au Verbe incarné, a creusé en Marie un oui à l'amour pour le monde et l'Église. Au cœur de sa réalité quotidienne, Marie de l'Incarnation est amenée graduellement à des attitudes de pauvreté et d'obéissance intérieure qui se retrouvent chez elle de façon constante jusqu'au terme de sa vie terrestre. Ses attitudes de foi se traduisent jusque dans ses derniers moments par un amour tout particulier pour celles qu'elle appelle les délices de son cœur. À l'instant de sa mort, elle demande plusieurs fois toutes les petites pensionnaires, tant sauvages que françaises. Elle leur donne sa bénédiction avec des tendresses incroyables et avec grand zèle, les recommande particulièrement à toutes ses sœurs. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. En toute assurance, Marie de l'Incarnation peut maintenant retrouver son Seigneur. Nous sommes le 30 avril 1672.